Et c'est le choix culture d'Europe 1. Pas de débrief exceptionnellement aujourd'hui, ça reviendra évidemment dès lundi. On finit la semaine en musique avec vous, Jean-Philippe Ballas. Et ce matin, événement avec une artiste qu'on aime beaucoup. On avait découvert ensemble un premier extrait il y a quelques temps. Et ce matin, c'est donc tout l'album qui déboule. Il s'intitule Digne, Dingue, Donc. Oui, ça sort aujourd'hui. Croyez-moi, il dépote, messieurs, dames. C'est le nouveau Véronique Sanson. Je me promenais en ville. J'ai vu des funambules. Ah, il y a de l'énergie, hein. Ouais, absolument. Tout l'album est comme ça. C'est même mieux, Thomas. J'ai envie de vous dire qu'il y a toutes les Véronique Sanson qu'on aime, un peu américaine comme ici, et puis un peu blues également quand elle évoque ses démons parfois. Je suis tout ce que je déteste, les ténèbres et ma lumière, une cascade d'étincelles, un fruit nauséabond, terrible oiseau des îles, prisonnier des et un poison tranquille. Elle est quand même l'une des seules à faire sonner la langue française comme ça, Véronique Sanson. Ah, je suis absolument d'accord. C'est pas simple. Il y avait Michel Berger qui réussissait à faire ça dans le même style. Et c'est son grand talent à Véronique Sanson, du rock, du blues et même de la bossa. T'as tes petits doigts pour faire la fête, tambour dans des favelas. T'as tout le temps de faire la fête. Quand je vous dis qu'il y a toutes les Véronique Sanson, il y a aussi les versions classiques, hein, le piano, les cordes, et je l'appelle encore la chanson écrite pour sa mère disparue. À genoux et entouré de fous, contre tout fallait rester debout. Moi j'aurais pu fuir le combat, pas trahir les autres. Encore une très éclectique tout ça, et en même temps on reconnaît vraiment la patte de Véronique Sanson, hein. C'est elle. 15e album, hein, déjà. Le message, il est simple, c'est que la patronne, comme la surnomme ses fidèles musiciens, la patronne est bel et bien de retour. Elle a pris son temps, 10 chansons dignes et dingues, c'est Véronique Sanson. Dans ces moments là, c'est la vie qui danse. Dans ces moments là, c'est la vie qui va. Nouvel album de Véronique Sanson, le choix culture de Jean-Philippe Ballas ce matin. Il s'appelle donc, c'est bien le Digne, Dingue, Donc. Donc, et Véronique Sanson, vous en voulez encore, bien vous en aurez de 15h à 16h puisqu'elle sera l'invitée exceptionnelle de Quoi j'ai l'air, Nikos Aliagas sur Europe 1. Pour tweeter, c'est avec le hashtag E1Nikos. Merci beaucoup Jean-Philippe.